Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors voilà une petite vidéo très brève pour vous montrer ce que je suis en train de faire là. Il s'agit en fait de recouvrir les allées entre les planches de culture et bien de broyat, hein, de broyat de bois. Alors il ne s'agit pas de BRF, hein, très clairement, hein, c'est du bois, hein, du bois concassé, très broyé, très ligneux. Le BRF c'est tout à fait un autre produit. Là il ne s'agit pas de rameaux hein, broyés, mais bien de voilà de charpentières, de grosses branches, etc. Qui ont été passées au broyeur. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien je le fais parce que ça va me permettre déjà de ne pas avoir à désherber les allées qu'on va parcourir entre les planches de culture, d'une part. D'autre part, ça va nous permettre également eh bien de pouvoir pratiquer le terrain un peu à pied sec, même partant un peu pluvieux, lorsque le sol est gras, etc. Voilà, on ne ramassera plus trop de terre sous les chaussures, puisque on va intervenir depuis ces espaces-là pour travailler dans ceux-là dans lesquels on ne marche pas, quoi. Donc c'est parfait. Alors ce broyat qui est assez grossier va prendre un certain temps à se décomposer, mais va se décomposer tout de même. Et c'est très intéressant pour nous puisque la lignine contenue dans ce bois va alimenter les champignons du sol. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, on en a déjà parlé. Hein. Alors j'en profite pour remercier Nicolas hein, qui m'a déposé ce broyat. C'est tout à fait le produit qu'il me fallait, quoi. Ça me convient parfaitement. J'en profite également pour adresser un message à, voilà, aux habitants proches du potager qui dit non. Si vous cherchez quelqu'un pour des travaux d'élagage, n'hésitez pas à appeler SBE, hein, Société Bergeron Élagage à Beauvins, hein, Nicolas Bergeron. Voilà, c'est l'assurance d'un travail de qualité, en sécurité pour lui et surtout dans le respect de l'arbre. Hein, voilà, c'est l'élagage, c'est pas quelque chose qui se fait à la sauvage, n'importe comment, c'est le travail de spécialiste. Et Nicolas en est un là. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt au potager qui dit non pour la suite des aventures.